Bonjour, je m'appelle William Pes, j'ai 24 ans, je joue au poste d'ailier arrière et je mesure 1m90 pour 88 kg. Tu viens de quel club, William? Alors là, je suis arrivé cette année en provenance de Mâcon. Voilà. Et peux-tu nous dire qu'est-ce que tu as fait avant J'ai commencé le rugby dès mon plus jeune âge, donc j'ai joué à Sauveterre de Béarn, donc c'est un petit club coincé entre Pau et Bayonne. J'ai fait mes classes là-bas jusqu'à 18 ans. Et après l'obtention de mon baccalauréat, je suis parti en Nouvelle-Zélande et j'ai découvert une nouvelle culture avant de revenir en France et d'évoluer à la section paloise. Donc tu as fait des études après le bac? Voilà, donc après le bac, après être revenu de Nouvelle-Zélande, j'ai fait un bachelor en management du commerce du sport, donc sur Pau. Donc en même temps que j'étais au centre de formation à Pau, ben, je suivais ce cursus scolaire. Peux-tu nous parler de cette expérience en Nouvelle-Zélande? Donc la Nouvelle-Zélande, ça a été pour moi, c'était le premier départ de chez moi. Donc j'ai appris la vie là-bas. Je suis parti à 18 ans avec mon sac à dos pour découvrir une culture. C'était aussi la période de la Coupe du Monde de rugby en 2011. Donc voilà, je me suis régalé là-bas et j'ai découvert vraiment un pays qui vit que pour le rugby et qui transpire pour le rugby, quoi. Toi qui joues arrière, qu'est-ce que tu affectionnes particulièrement dans ce poste? Alors j'ai le profil, j'aime le duel aérien, donc les duels aériens et les relances, j'aime jouer au ballon, j'aime me faire plaisir sur le terrain, je suis un joueur de ballon avant tout. Voilà. Et tu butes aussi? Donc je bute, je bute à longue distance, je suis plus associé comme un buteur longue distance parce que j'ai souvent eu avec moi des coéquipiers qui étaient très réguliers de près, donc voilà, je prenais le jeu au pied plutôt de loin. Voilà. L'an passé, donc, tu étais à Mâcon, vous avez fait une belle saison. Ouais, on a fait une super saison. C'était ma première en fédéral une pour moi, en fédéral, donc au niveau fédéral. Donc une très belle saison qui s'est malheureusement mal finie avec une finale perdue. Et voilà, ça m'a quand même beaucoup apporté. C'est une année très enrichissante pour moi, vraiment. Voilà. Et est-ce que tu as un message donc, à faire passer aux supporters bigourdans? Ben ouais, je leur demande de venir nous supporter nombreux. On a besoin d'un maximum de supporters au long de la saison. C'est comme ça que nous aussi on avance parce que c'est ce qui nous pousse à nous transcender dans les moments difficiles. Et voilà, on a besoin de tout. On a besoin d'un gros public et qu'il soit derrière nous et de le sentir. Voilà. Bien, William, nous te souhaitons la bienvenue en Bigorre. C'est gentil. Et une belle réussite. Ça marche. C'est cool. C'est gentil.